وغادي سلان كو صباح الخير يا ليون اللي غادي سلان سريد في مطاف ويسين تين بقيث وساقين دماسة وسيلا كنا تافت نتاث من هال ايدي اسيون نتاويل نعطيوث نت من هال تيدي لهان اسوكوون يق ذلم عونا تكوبانيين النظام ذيل الوكلا ثاغنو آه نوس نرنين ذي سيبر بارك نسيدي عبد الله مساكنا تاف وسيلا كنا صباح الخير وشو كان على تلبية الدعوة

Euh, la MPT donc c'est le local الوطنية interprète technologie l'agence nationale de développement des parcs technologiques donc c'est une agence nationale dont son, son principal princi principal rôle c'est le développement des technoparks donc le premier le plus connu c'est celui de Sidi Abdullah, qui est aussi très connu pour son incubateur mais actuellement on a aussi d'autres euh, sites on a des incubateurs à Bordeaux, et et mm -hmm. aussi à Oran et des دي بروجي دو تكنو بارك عندنا نابا ورقلا و سي اورون واش يعني يديروا هاد لي زانكوباتور واش كيما نقول العمل تاعهم الدور تاعهم اليوم Très bien. Donc, euh, dans les technoparks, euh, c'est des sites euh, qui sont euh, conçus pour euh, le développement de la technologie. Donc, toutes les infrastructures se, se sont mis à disposition de, des développeurs et des, des entreprises en général. Et dans les technoparks, donc, nous avons les incubateurs dont j'ai la charge de, de cette activité de l'incubation. Donc, dans les incubateurs, nous accompagnons les porteurs de projets. Donc, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine des technologies. Donc, c'est notre spécialité les technologies de l'information de la communication et le numérique donc on, on accompagne surtout ces entreprises là et ces porteurs de projets là donc euh, de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise donc on leur donne tous les services dont ils ont besoin l'infrastructure l'accompagnement la formation le conseil la médiatisation voilà donc c'est un process d'accompagnement

euh, personnes donc c'est des équipes voilà donc plus si, plus de 600 projets ont été accompagnés depuis 2010 et dans un, un tiers disons sont arrivés à la phase de création et le développement de leur entreprise dans le monde entier ce genre de projets qui sont des projets innovants qui sont pas des projets standards euh, le, le taux de réussite est très très faible donc c'est ça varie entre euh, maximum 10% donc euh, disons que chez nous, avec un écosystème qui est en construction, Donc, on, on trouve que les porteurs de projets se, se battent vraiment pour leurs projets. Ils font tout pour qu'ils réussissent. Mmh. En fait, C'est toute, toute l'agence. C'est euh, euh, surtout le premier. Donc, il, il existe depuis 2010. Après, il existe seulement depuis 2019. Warren pareil, 2018, voilà, donc, et, et ce qu'on a remarqué, nous, c'est surtout que chaque région a sa particularité, par exemple, bourg il y a beaucoup de projets plutôt versés dans l'électronique, ce qui est normal vu le, la zone industrielle, Oran, c'est d'autres types de projets, voilà, donc, chaque région a ses propres... Euh, propre particularité et depuis 2020 euh, à cause de la pandémie on s'est mis dans ce qu'on appelle l'incubation virtuelle donc on a lancé un programme d'incubation 100% virtuel en ligne avec tout, toutes les activités en ligne, l'accompagnement, les formations, les rencontres, les événements, tout s'est fait en ligne. Euh, surtout, on a développé des plateformes pour pouvoir faire cette, cette activité-là, donc une plateforme de meeting en ligne, une plateforme de e-learning, voilà, on a besoin de ces outils-là. Et à côté de ça, donc, euh, c'était aussi un besoin parce qu'en le, le, 2020, toutes les structures se, ont, ont été fermées, mais les projets ont continué à, à se développer. Donc, on a on était obligé de, de, de passer à ce mode. Et ce mode, dans un autre sens, l'incubation virtuelle, ça nous a justement ouvert, euh, disons, la, les perspectives sur d'autres régions. Donc, on ne s'est pas limité. Aux, aux régions où nous avons des incubateurs, mais on a accompagné en 2021, on a accompagné des projets à Djelfa, à Skida. Et là actuellement en 2020, on a lancé aussi l'appel à projets. Donc là, on a des projets vraiment un peu partout sur le territoire. Donc ça aussi, c'est l'apport du numérique qui, qui aide beaucoup, euh, enfin, pratiquement toutes les activités. Mais c'est que fait aussi là, même des feignants, le

حريش حريشنا الخدمه حريش يعني غير نبدل الاطاس اذا شو يعني اذا جديد يتويم على دغ دوك حريشه حبينا نعرفوا بلي جائحه كورونا يعني, يعني آآ كانت نعمه وكانت ربما ثاني كيما يقولوا اسمه نعمه نقمه بصح استفدتوا بزاف كيما يقولوا فيها كمؤسسات كا واش الحاجه اللي اضافتها لكم tout à fait donc euh, oui là, le covid c'était c'est déjà une catastrophe il faut dire parce que enfin paie à tout les et puis là, il y a eu beaucoup de souffrances mais à côté de ça le, le en tout cas dans le secteur du numérique mmh. c'était vraiment une euh, Enfin, c'était c'était vraiment un, un, une opportunité voilà donc mm -hmm. nous, nous dans l'entrepreneuriat on, on pousse les porteurs de projets à voir toute difficulté comme une opportunité et le, le covid c'était aussi une opportunité euh, on l'a vraiment vécu parce que euh, en début 2020 euh, beaucoup de solutions beaucoup de startups qui existaient depuis plus de deux ans, trois ans avant, dans le, qui avaient développé des solutions en e-learning, en e-santé, en e-commerce et, et qui trouvaient beaucoup de difficultés à trouver leur marché. À partir de 2020, euh, ils ne pouvaient plus répondre hein, aux besoins tellement euh, leur solution a été sollicitée. Donc mm -hmm. euh, le e-commerce a explosé, le e-learning aussi, qui était vraiment une solution pour tous les... Le les e payment term, Exactement. Les Exactement. Mm -hmm. Et Exactement. Et surtout le e-learning, parce que le, les écoles ont fermé, les universités ont fermé, les lycées ont fermé. Et beaucoup de gens se sont tournés vers ces plateformes de, 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 de formation en ligne, d'apprentissage mm -hmm. en ligne. Et, alhamdoulilah qu'il qu y a eu ces, ces, ces plateformes-là. Aussi, donc la e-santé aussi, vraiment, un, un, disons, une grande découverte en 2020. Euh, nous, à Sidi Abdallah, on avait plusieurs start-up qui, qui développaient depuis des années. Il y avait Itabib, il y a Dawini, il, voilà, il, il y avait plusieurs, euh, plusieurs start-up dans ce domaine-là, à partir de 2020, vraiment, c'était l'explosion. Donc, tout ce qui était consultation à distance, donc le, les, les personnes confinées chez eux pouvaient rencontrer leur médecin en, 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 distance, en direct, ouais. en, en temps réel pour leur demander des conseils vraiment c'était des solutions numériques qui ont beaucoup aidé les algériens devant pendant cette période et pour les startups aussi c'était vraiment ils ont vu le fruit de leur travail donc pendant pendant des années ils ont eu des difficultés à faire connaître leurs produits à partir de 2020 c'était plus simple mais 2020 donc qui m'a parlé a 2022 donc les pages les attaques parlé ce ou je euh, vraiment, tous les secteurs du numérique se sont mis... Euh, enfin, tous les secteurs. Tous les secteurs se sont mis au numérique, disons. Même ceux qui, peut-être avant, euh, étaient un peu réticents. C'est normal, on a toujours peur du nouveau. Euh, le, le, le numérique bouscule beaucoup l'activité. Les, les, ils, ils, ils obligent les entreprises à revoir leurs leur, leur procédures, à, à, à former leurs équipes. Voilà, donc le numérique, à la fois, c'est une très, très bonne solution, mais en même en même temps ça demande beaucoup d'efforts côté entreprise donc le, le... Ça demande beaucoup d'efforts et même beaucoup de moyens. Est-ce dit euh, Madame Knotafi, y a y a les moyens parce que ces euh, et En fait, le, les moyens dans le numérique, ils sont moins onéreux que les moyens dans d'autres secteurs. Parce que dans le numérique... Mais par exemple, avec les avec moyens, de moyens ont... les... Dit, la qualité l'Internet, avec... le De ce côté-là, disons mm. qu'on qu n'a qu qu pas vraiment... À se plaindre par rapport à on, on l'a vu dans d'autres pays ou surtout en deux, depuis 2020 on fait beaucoup de conférences en ligne avec des pays étrangers je vous promets même où des coupures même où ils ont ils ont pas forcément de, 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 de l'internet partout donc non non l'infrastructure y a donc que ce soit l'internet le enfin filaire enfin toutes tout la technologie je veux dire le Mmh. Euh, après, c'est surtout développer des solutions. Les solutions KenO, était étaient déjà développées. Après, c'était l'appropriation de cette technologie qui, il euh, y avait de la résistance. C'est normal. Dans ces projets-là, il y, y a même des procédures de, de, qui, qui doivent gérer cette résistance, gérer le changement. Mmh. Euh, donc, avec le, le, depuis 2020, c'était une obligation. Il fallait passer. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient de chez eux. Donc, ça, ça c'était nouveau, surtout chez nous, euh, pouvoir être, être obligé d'être de, de, confiné, en même temps continuer à travailler ah, à distance, avec les moyens, avec du numérique, avec des plateformes de, de documents en ligne, avec des plateformes. Voilà, donc ça a bousculé complètement l'activité le, 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 de beaucoup d'entreprises et ils, ils étaient obligés de se numériser ça, de toute manière, c'est une très très bonne solution. Donc, 2020, donc, 2020, donc, a entreprises qui qui Alors, nous, nous, bon, je, je parle de, 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 de nos incubateurs, mm -hmm. donc, entre, entre, entre Alger... Uh, Warren et Borjbar et qui sont les, les trois incubateurs qui, mm -hmm. qui sont opérationnels. Donc, alors, en 2020, malgré la pandémie, malgré les. les les, enfin, les, les difficultés sur les, les 25 projets qu'on a accompagnés, puisqu'on on fait un appel à projet début de l'année. Donc, on sélectionne les, les projets qu'on va accompagner durant l'année. Et donc, euh, en, en 2020, on avait sélectionné 25 projets. Sur les 25 projets, euh, fin d'année, on avait plus de la moitié qui étaient euh, euh, soit créés créé en tant qu'entreprise, soit... Euh, sur le point d'être créé. En 2021, c'était la même chose. Vraiment, au contraire, on, on trouve que, euh, qu a, enfin, en même temps, c'est aussi grâce aux encouragements de l'État. Donc, que le fait que, que l'État donne des facilitations, que, que le, le ministère des startups en charge de d'économie de, de, de la connaissance et des startups. Aide les, les startups avec le label. Le label, c'est une reconnaissance de l'État vers ces entreprises-là mmh. innovantes. Donc, tout ça, ça, ça a encouragé beaucoup les porteurs de projets et ça, on l'a vu, nous. On, on a vraiment vu la différence. Donc là, à partir de 2020-2021, on a même des personnes qui laissent un travail, une expérience professionnelle de plus de, de, plus de, de disons, plusieurs dizaines d'années d'expérience et se lancent dans le dans le, le dans l'entrepreneuriat innovant. Et ça, avant, c'était très très rare, vraiment mmh. très très rare de, mmh. de trouver, un, par exemple, un un informaticien qui a fait les, les grandes multinationales et qui laisse laisse disons, un salaire bien et, et une, une situation euh, stable pour se lancer à son compte. Mais, mais à partir de 2020, euh, en même temps, le Covid aussi a bousculé un peu les, les mentalités, il mm -hmm. faut, faut dire, et puis les encouragements de l'État. Donc là, on a pratiquement euh, une dizaine à une quinzaine de, nou de nouvelles entreprises créées chaque année depuis 2020.

من الكوفيد مد بلي يعني رنان اتص اسم فرناغي دوك نار وتصني لمزيان اكس فتين دوك حريشه كيا نبغى كان امسان كناتف وسيله دغن انا في الاطار القانوني لو كادر جوريديك القديشا كيا لي ستارت امي يعني حبينا نعرفوا الاطار القانوني اللي تعمل به هاد كيما يقولوا المؤسسات ولا الحاضنات اليوم Alors, euh, alors depuis 2020, donc il y a eu la création du ministère en charge des startups. Mm -hmm. Euh, ce, enfin le ministère a, a, disons, a, a mis le, un cadre enfin a travaillé sur sur plusieurs lois sur plusieurs par exemple le, la labellisation donc la labellisation des startups des incubateurs le aussi donc euh, tout ce qui est exonération euh, voilà parce que il y a un écosystème à, à, à développer dans ce domaine là euh, c'est pas un c'est pas une structure qui va accompagner c est, c est, il y a plusieurs organismes qui doivent se euh, s'entraider ou travailler ensemble pour faire que, que le cadre soit, euh, disons, euh, qui, qui va aider à, au développement de, de, de l'entrepreneuriat mm -hmm. en général. Donc voilà, il donc y, y, a, y a plusieurs domaines et surtout, disons, les, les domaines les plus importants dans lesquels on a vu vraiment des progrès, c'est par exemple la création de plusieurs incubateurs dans les universités ce qui est une très très bonne chose parce que euh, bah, nous avant euh, on, on avait des porteurs de projets qui étaient étudiants, on avait des porteurs de projets qui, qui, étaient, euh, qui avaient qui n'avaient pas de, de, de formation, on avait des porteurs de projets qui avaient euh, disons quelques années d'expérience. Voilà, donc on avait vraiment des porteurs de projets très avec des profils très très différents après donc euh, pour l'accompagnement il fallait, il fallait à chaque fois disons répondre à des besoins différents là actuellement avec des incubateurs dans les universités mm -hmm. donc déjà, déjà ce profil d'étudiants de, de, vont disons être pris en charge déjà dans l'université avec des incubateurs qui vont le les... travailler fille qui ils vont, 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 les... les... vont surtout alors les universités mm -hmm. c'est à la fois euh, accompagner le porteur de projet, mm -hmm. mais c'est surtout euh, l'esprit le, en à développer l'esprit entrepreneurial dans les dans les l'esprit les, enfin, des étudiants euh, leur, leur, euh, leur, leur expliquer qu'il n'y a pas que le salariat qui a aussi la possibilité de de se mettre, de de créer une entreprise les avantages et des, les, les inconvénients le process voilà donc il y a déjà un travail qui sera fait au niveau des universités sont... Mais est-ce est -ce que c'est généralisé Donc, -ce que ah, Il y a beaucoup, Donc... vraiment beaucoup d'universités de, de, qui ont créé leur, leurs incubateurs. Donc nous, là, on coopère avec beaucoup d'entre de, elles. Euh, on, on est même en train de préparer des, forma des formations pour eux dans, dans ce sens, pour les aider. Euh, là, actuellement, je crois qu'on a déjà plus d'une trentaine d'incubateurs de, de, d'université ce qui est une mm -hmm. très très bonne chose ça c'est ça c'est dans la disons, la partie prenante euh, académie, euh, académique euh, qui, qui sont les universités, les centres de formation, qui est une des parties prenantes les plus importantes de, mmh. de l'écosystème entrepreneurial, parce que le, le, c'est là où se forment les, 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 les futurs entrepreneurs, c'est là où la ressource humaine est formée pour les startups. Voilà, donc, c'est vraiment... Et on voit aussi, le, disons, le, le travail qui se fait dans, dans cette, cette partie. Ouais, après, il y a aussi tout ce qui est finance. Donc, c'est très, très, très important. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu la création de, de, de l'ASF, de, de, du fonds... Euh, spécial enfin pour les, les start-ups le on dit toujours dans le cadre juridique parce que la majorité des jeunes qui ont des projets ou la haja yqablouhom la bureaucratie comme donc ils trouvent vraiment des difficultés dans le domaine est-ce que un porteur de projet donc un jeune qui a une idée un projet qui il donc il y a des facilitations surtout pour ce qui concerne comme le cadre juridique oui tout à fait mm -hmm. alors bah, premièrement donc le, le registre de commerce secret très très rapidement donc la procédure a été simplifiée il y a, il y a, il y a plusieurs plateformes qui sont en ligne pour pour pour, pour euh, déjà donner les informations qu'il faut et même pour faire les, les premières euh, fin, le, le, déposer le, les premiers documents donc euh, voilà donc il y, a, il y a, et surtout la sensibilisation qui a été faite euh, par rapport à ces startups et, et à ces euh, disons entreprises innovantes à toucher tous les secteurs, donc même côté administration. Donc là, de plus en plus, les administrations se, se mettent à aider aussi, ce qui est une très très bonne chose. Donc c'est la culture entrepreneuriale qui s'étend. Qui s'étend dans les administrations, qui s'étendent dans. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'avant, le porteur de projet, il n'était pas compris. Enfin, le, le, la start-up mm -hmm. n'était pas comprise dans, dans les, les différentes administrations. On ne comprenait pas c'est quoi la différence entre une, une start-up et une entreprise normale, standard. Pourquoi on devrait aider cela et pas. Vous voyez, donc maintenant, on comprend qu'une start-up, c'est un projet qui n'existe pas. Donc, il y a plus de difficultés. Donc, le, le, il, il crée un un produit qui répond à un problème, donc il, il a décelé un problème, après il lui crée un produit, où, bah, il va dans le marché, il essaie de le faire vendre, le faire connaître, euh, convaincre l'utilisateur que cette mmh. solution-là va, va aider, donc il y, a, il y a beaucoup plus de travail qu'une entreprise standard où les gens connaissent déjà le produit, par exemple, je vous donne un exemple très simple, mm -hmm. si, si une, une entreprise euh, fabrique un téléphone, elle vient vendre le téléphone, tout le monde sait ce qu'est un téléphone, donc il n'y a pas vraiment à, à, à convaincre le marché, par contre une start-up qui développe un, un, un dispositif qui, qui est innovant, qui n'existe pas, qui qui n'est pas encore connu. il y a un double travail à faire sur le marché pour convaincre, pour expliquer, pour, pour, pour un peu travailler le marché pour, pour qu'il s'approprie et utilise la solution. donc, vo voilà, une, une, disons simplifié, la, la, la différence entre une, une, une entreprise qui développe quelque chose qui existe et une entreprise qui développe une solution qui n'existe pas. مسكنا تف وسيلات نم دفين يعني لقديش نون لا دغافين يعني امكي دنا القوانين يتدو في لسان حريشه غير نا لقديش غير نا تمسات لي ستارت اب ديت مورتنا غطس اي دي موغين راسا يعني خلاق نوغلي في ديال هان دقويا دثبوت افيا وثنمد باللي داغن اللي انت تاس لي فورماسيون اي تخدم ما يسلم هذن دي سداويين لا دغا زين 30 سداويين ساكي سعاد تاويلا لي زانكولباتور يعني ذي السداويين اللي المزيان زمرن اذ روحن وذوالين والين دا شو ذا وميكي زمرن اذ الفن واذ في كوبانيين ايه آه نعنى نبغى كان ادنو غالا تمسات التمويل دونك التموال تي تمسال أزل ازال مقرون مي غطاس يا المزيان مادسعون دي زيد هكاير بورتوغ دو بروجي دونك آه تشتكاين انسان يعني غادي تاوين ادري دا شو دي تسمى كان دي, دي ثمانوان دونك حبينا نعاودو نوليو لهاد المساله تاع التمويل des jeunes qui aiment un projet donc il y a toujours un problème qui est le financement alors euh, voilà donc avant euh, une start-up était considérée comme toute autre entreprise donc elle euh, si, euh, enfin y y il euh, y avait des dispositifs tels que la Cnac, Angem mm -hmm. mais qui sont aussi très adaptés pour les entreprises classiques ou, ou, ou standards mais pas pour une entreprise innovante surtout numérique digital, où il n'y a pas vraiment de matériel très lourd mm -hmm acheter, mais c'est plutôt euh, du savoir-faire qui doit être euh, trouvé, surtout financé. C'est aussi un travail intellectuel qui se fait. Voilà. Donc après, donc euh, avec enfin depuis de, avec l'avènement de, de, du ministère des startups et tout le travail qu'ils font. Donc il y a eu la création de l'ASF, le fonds dédié aux startups, qui euh, qui, qui utilise une, une nouvelle façon de financer les startups, qui est plus une qui, qui n'est pas un crédit standard, mais c'est plutôt un, 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 un investissement, donc une prise de participation dans, dans la start-up. Et ça, c'est nouveau. Il euh, y, a, y, a, y avait des fonds euh, de financement qui existaient avant, mais pareil, euh, l'incompréhension du travail d'une start-up avait fait que euh, très peu de ces fonds, ou pratiquement pas du tout, euh, prenaient des risques, parce que c'est un risque. Une start-up, je vous avais dit au début, mm -hmm. le, le taux de réussite est très très faible. Mm -hmm. C'est normal, parce que c'est vraiment une, une solution nouvelle. On ne sait pas ce qu'elle va être adoptée ou pas. Il y, y a différents facteurs. Après, donc, c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, euh, en général, les banques ne, ne prennent pas de risque. Donc, voilà, c'est... C'est pas dans leur euh, mécanisme de, de fonctionnement. Euh, c'est pour ça que, dans le monde entier, il y a, y a d'autres façons de financer. Euh, disons qu'il y, y a des fonds à risque, voilà, il y a des, il y a des, euh, il y a du financement, euh, c'est des capitaux risques, donc qui, qui font, c'est leur travail, donc ils ils financent plusieurs projets mm -hmm. euh, après, euh, en sachant très bien que euh, peut-être euh, une bonne partie vont, vont échouer, mais ils savent qu'il y aura toujours quelques-uns qui vont vraiment très très bien fonctionner ils vont, disons, amortir le, 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 la perte qui, qui, qui est causée par les autres. Voilà, donc c'est un autre mode de, de fonctionnement qui est en train de se faire, de s'installer en Algérie, ce qui est nouveau, c'est une très très bonne chose. Mm -hmm. Donc il y a actuellement, il y a l'ASF qui, qui font ça, qui, qui finance avec euh, c'est un, un investissement. Il y a aussi maintenant d'autres fonds privés qui commencent à s'intéresser à, à, à l'Algérie, privés étrangers, privés locaux. Voilà, donc ça, ça, ça se met en place et c'est une très bonne chose. Parce que... Alors, euh, bon, enfin, disons que tant que ce n'est pas officiel, euh, enfin, officiellement actuellement, qu'il y a l'ASF, il y a aussi même des banques, par exemple CPA, qui, qui ont fait des produits spécifiques spécial pour les startups. Donc ça, c'est aussi très, très nouveau. Vraiment, c'est des, des produits. L'essentiel, ce que je vous disais, c'est la, la culture de l'entrepreneuriat qui se, qui, qui se généralise. Et si, et si vraiment elle touche tout le secteur financier, disons que l'écosystème va bien se porter. Parce que c'est vraiment... Avant, c'est ce qui manquait. Mm -hmm. C'était cette prise de risque que... que que doivent faire les financiers pour euh, s'assurer que ce, ce type de projet innovant euh, se développe. C'est vraiment nécessaire. Mm -hmm. Et là, ça, ça se met en place. Je vous ai dit, une fois que les banques commencent à, à prendre des risques pour financer des, des Mais -ce projets... Mais est-ce qu'il y a un qui est plus rapide dans ce oui, sens oui, 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 tout à fait. Donc, mm -hmm. euh, pr premièrement, la SF... Le... La, la mm -hmm. pendant donc le, le fonds dédié aux startups, c'est euh, un groupement, c'est les, les cinq banques étatiques qui l'ont créé avec, euh, avec le ministère des startups. Il y a aussi, donc je vous ai dit, les, les banques individuellement, telles que la CPA, par exemple, juste pour donner un exemple, mm -hmm. qui, qui ont créé des produits financiers dédiés aux startups pour les aider dans, dans leur projet. Et puis il y a aussi maintenant, je vous ai dit donc il y a même des, des fonds de financement étrangers qui commencent à se... Donc nous, euh, par exemple, on a plusieurs startups qui, qui viennent nous demander des conseils parce que euh, il y a des fonds de l'étranger qui les ont contactés. Et de toute manière, c'est encouragé hein, par, par le ministère des Startups parce que c'est nécessaire. C'est un peu l'écosystème mondial euh, de, de l'entrepreneuriat qui, qui veut. Par exemple, les, les, les sociétés de financement étrangers américains, ils financent en Afrique beaucoup ils, font, ils financent dans beaucoup de pays différents. Euh, disons que c'est l'idée qui compte ce n'est pas l'emplacement le, géographique.

سان فرنسا نا لي بروجي سان اذا غادا غانتنا مدلانت المشاورات دواتا سان تمورا تيكرا غلاني نتمورا تمورا نلبراني اكني غاد مولانا اي سان فرن اي سان فرن نبغا غان نمساي مسا تف وسيله غفين يعني ذا شو يديرنا يعني ذا شو تمن هلت تنوان ذا شو يتسنا اذا مسا نسمورتنا حبينا تاني نعرفوا اليوم هاد المديريه كما يقولوا تاع الحاضنات واش زادت الاقتصاد الوطني مادام نعرفوا اليوم بلي Nationale. Je, 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 je pense que je, euh, le meilleur exemple c'est l'exemple du Covid. Donc le, 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 avec l'avènement le, du Covid euh, vraiment euh, nous en tout cas on l'a senti à quel point les startups ont aidé. Le, le, les, enfin les, les Algériens, que ce soit surtout avec les solutions numériques qu'ils qu avaient développées. Et, et on continue parce qu'après, il y a beaucoup d'autres secteurs. Donc, on, on a aussi par exemple beaucoup l'agriculture où, où il y a beaucoup de solutions innovantes qui se développent. Mm -hmm. Alors, on a beaucoup de startups qui développent des solutions dans ce domaine de l'agriculture. On a aussi euh, par exemple l'environnement. Donc, on a beaucoup de solutions qui, enfin, des startups qui développent des solutions dans le, le, le domaine de l'environnement. Voilà, donc c'est des solutions qui, qui, euh, qui, répondent à, qui répondent à un besoin, qui répondent à une problématique euh, qui est rencontrée, qui est exposée. Et maintenant, euh, aussi très, très importante, c'est les entreprises, les entreprises classiques algériennes que ce soit euh, algérienne privée ou étatique ou, ou même euh, euh, étrangère installée en Algérie, qui commence à, euh, à travailler avec les startups. Donc, ils de, il demande à travailler avec les startups. Donc, nous, au niveau de, de, de l'agence, on, on joue souvent ce rôle d'intermédiaire où, où on, on, met, euh, on met en relation les startups. Euh, les startups avec les entreprises et inversement, les, on est sollicité par les, les entreprises pour... Les... Là, là, actuellement, en, en sortant de chez vous, je vais aller euh, dans, dans une agence, une autre agence nationale, euh, c'est l'Agence nationale de préservation des sites historiques, mm -hmm. qui, euh, où on a organisé une rencontre avec des startups qui, euh, qui font la, la virtualisation des sites historiques. Donc, on a deux startups au niveau de, de l'incubateur qui font ça. Ils font tout ce qui est reconstitu reconstitution en trois dimensions des sites historiques, virtualisation. Donc, ils développent beaucoup de solutions très, très intéressantes. J'en je, je profite pour vous demander de les inviter chez vous et, et de les faire connaître. Mm -hmm. Et donc, et, et, d'une part, on a une, une institution, une agence nationale qui préserve les sites historiques. D'autre part, on a des, des startups qui développent des solutions euh, qui permettent de, de les préserver, même si c'est virtuellement, mais c'est très important. Et donc, là, on, on, a, on a organisé cette rencontre pour, pour créer une, une, une coopération entre les deux voies. Donc, on fait beaucoup ça. Et c'est, disons que ça, c'est vraiment un des grands besoins des startups, c'est de pouvoir avoir accès à ces entreprises étatiques ou à, aux, aux, aux grandes entreprises. Parce que souvent euh, c'est difficile de, 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 de qu'ils puissent euh, les approcher. Voilà, donc souvent... Alors nous, nous essentiellement, c'est ça. Donc, c'est, on leur crée des opportunités avec les, les entreprises, on, on, on les aide à se faire connaître euh, et on remercie beaucoup les médias qui, qui, les, qui nous aident beaucoup dans ce sens-là. Aussi, les médias, c'est une des parties prenantes les plus importantes de l'écosystème parce qu'elles montrent les bons, les bons, disons, les, les, les succès, les, les champions et, et ça, c'est nécessaire. Pour, pour donner envie à d'autres pour faire la même chose. Voilà, donc euh, actuellement, on, on a beaucoup de startups qui, qui, qui se développent. Il y a beaucoup d'autres, des, 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 il y a beaucoup de porteurs de projets qui veulent se lancer

on essaie donc aussi de de, 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 de propager cette culture d'entrepreneuriat parce qu'on a des compétences quand même euh, extraordinaires Tout qui à ont fait. fait d'ailleurs même il les start-up étrangères après après, euh, après euh, le disons le euh, souvent, les compétences techniques, c'est pas suffisant. Parce que nous, chez nous, on voit beaucoup de porteurs de projets qui sont très, très bons techniquement. Mais après, oui. à côté, mm -hmm. le, un produit, même si c'est le meilleur du monde, si à côté, il n'est pas commercialisé, s'il si n'y euh, a pas de communication, s'il n'y a pas de marketing. Donc, en fait, le, oui. vrai, le, oui. le vrai travail, c'est la création de l'entreprise. Mm -hmm. C'est le, la gestion de cette entreprise. C'est la gestion de l'équipe. C'est de savoir s'entourer avec mm -hmm. les gens qui vont l'aider. Enfin, aider à, à faire connaître ce, 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 ce produit. Et, et en grande partie, notre travail, c'est ça, c'est de les former dans ce sens, mm -hmm. c'est de les sensibiliser sur, sur la partie création et gestion d'entreprise, parce que souvent, on a des, des ingénieurs qui viennent, qui viennent en tant que porteurs de projet, ils ont une, une bonne idée de solution, ils peuvent la développer, ils la développent. Mais après, il y a tout le volet création gestion d'entreprise qui, qui, qui n'est pas leur domaine. Donc, on, on les aide à, à, à disons, à, on les forme dans ce sens. Et surtout, on les incite beaucoup, beaucoup, beaucoup à trouver l'équipe. Ça, dès le départ. Maintenant, dès qu'on a un porteur de projet qui nous vient, on, leur, on, leur, on, on pose la première question, est-ce que vous êtes tout seul? Souvent, c'est oui, on est tout seul. Mm -hmm. ah, et c'est très, très mauvais. Donc, tout de suite, on, on, on les pousse à, à son tour. Et c'est très, très important parce que le chemin est long. Oui. Est pas, est pas, on ne parle pas de 3-4 mois, on parle de plusieurs années de travail. Ici, mm -hmm. si, dès le départ, on ne trouve pas les bonnes personnes qui vont soutenir le porteur de projet, qui vont l'accompagner, qui vont le l'encourager le, 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 au, au, au moment euh, difficile et qui vont aussi l'aider dans tous les travaux à faire, parce qu'il y a beaucoup de travaux différents à faire dans, dans ce processus.

C'est un, une sorte de service public qu'on fait. Donc, mm -hmm. on accompagne le porteur de projet de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise mm -hmm. gratuitement. Il n'a rien à payer. Au contraire, euh, c'est l'agence qui, qui finance euh, indirectement ce, 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 ces, ces étapes-là. Mm -hmm. Et même après la domiciliation, parce que dans nos incubateurs, on leur fait un contrat de location avec lequel ils créent le registre de commerce. Et c'est gratuit aussi pendant une année et demie. Voilà, donc, on s'investit beaucoup. L'agence mm -hmm. s'investit beaucoup dans, dans ce travail-là.